Today, Navy Recognition, a subdivision of Army Recognition Group, had the opportunity to cover the visit of the Belgian Minister of Defense at the Belgian Navy naval base in Zeebrugge. For the occasion, Rear Admiral Wim Robrecht explained to the minister the vision for the future of the Belgian Navy. Were mentioned among many topics the future armament acquisitions and the role of the Navy within the MSO mission in Strait of Hormuz. Eh bien, dans le Strait of Hormuz, il y a quand même de l'importante activité pour la marine marchande belge aussi qui se passe tous les jours. Et ça veut dire qu'on doit avoir quand même un œil là-dessus. Et politiquement, il y a eu la déclaration aussi de la Belgique pour dire que c'est important que cette initiative, aussi bien des Américains que les initiatives de la France avec la participation d'autres nations, dont la Belgique, pour quand même veiller à la libre navigation dans ces eaux-là. De toute façon, nous sommes en train de renouveler toute la flotte. Le monde politique a déjà pris les décisions politiques pour ces deux contrats. Ça veut dire six chasseurs de mines seront remplacés par six motherships avec plein de drones pour une nouvelle époque dans la lutte anti-mine. Et en même temps, nous allons changer nos frégates en même temps vers les années 2027. Deux nouveaux frégates seront acquis, mais ça, le boulot sera fait par les Pays-Bas. After that briefing, the Minister of Defense was invited to visit the naval installation at the Corte Naval Base and attended different presentations of innovative projects and equipment, such as the remotely operated underwater vehicle manufactured by Saab, the connected glasses allowing remote diagnosis and repairs on the different ships, and finally the training simulator for the firefighters thanks to the VR helmets. Pour moi, c'est très important d'être présent ici, notamment dans la composante marine. Vous savez que la Belgique a de grandes responsabilités avec des ports de mer que vous connaissez, Anvers, Zeebrugge, Gand, et puis dans une autre mesure, Bruxelles et Liège. Ça, c'est la première partie. Au niveau défense aussi, notre bord de mer, nos eaux territoriales, très important. Et la troisième part aussi de notre intérêt par rapport à la marine, c'est l'ensemble des transferts de données avec les data banks. Et donc là aussi, on a une responsabilité de garantir la sécurité de ce troisième élément qui fait l'objet de notre attention, plus bien sûr les opérations à l'étranger. To pleasantly close the day, the Lieutenant Commander Olivier Denis took the Belgian Minister of Defense and Foreign Affairs on a tour of the Minehunter Belis. Thanks to the visit of the operational room, the bridge or weather the front deck, the Minister got a global vision of the ship's functionalities. Finally, he participated in mine action demonstration with the launching of a Sea Fox, the well-known mine disposal unmanned underwater vehicle.